Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode de Moon and Blade Warborn, donc c'est le cinquième épisode. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre le quatrième et celui-là de maintenant, le cinquième. J'avais joué entre temps, hein, donc je vous avais averti que je le ferais de temps en temps. Je vous rappelle que dans le dernier épisode que j'ai repris d'Irim, que les Kyargis de Kanat m'avaient pris, et j'ai pris le château d'Ou. D'Oun au Rodok. Donc voilà, maintenant le château il a été donné à un comte. Donc voilà, ouais, je ne les ai pas revendiqués, c'est pour que les comtes qui sont avec nous aient des possessions. Donc c'est pareil pour le château de Dirim, enfin la ville de Dirim. Donc entre temps j'ai eu beaucoup de batailles contre les Rodok et contre les Vaegir, surtout pour protéger mes villages, parce que j'ai pas mal de villages qui sont fait piller pendant que j'étais en train de récupérer les châteaux, et donc j'ai essayé de sécuriser tout ça. Donc au final les Rodok nous ont fait un traité de paix, et les Kyargis de Kanat c'est pareil, et maintenant ce sont les Nordiques qui nous ont déclaré la guerre. Donc bon, pour l'instant leur armée c'est pas vraiment une menace, il n'y a que l'armée du roi où j'ai vu c'était 200 et quelques, qui était vraiment une grosse menace. Mais je vois tous nos comtes qui sont en train de faire des... qui sont en train de faire des razzias dans les villages. Donc c'est pas compliqué, ils en ont que 4. Donc voilà, ils ont été pillés leur village. Ils ont 2 châteaux et une ville. Ah non, ils ont 5 villages. Et donc j'ai pas mené une campagne, en fait j'ai juste croisé l'armée du roi ici, 618, et ces deux armées de boyards qui se baladaient pour le pillage, je les ai croisés et j'aurais dit de me suivre, parce qu'en fait mon but c'est de assiéger Tyr. Et donc vous voyez qu'à Tyr il y a 146 en garnison et il y a 452, c'est 452 en armée du roi Ragnar. Après les autres c'est 40, 37, 36, j'ai regardé, c'est des petites armées de Jarls, c'est des recrues, des armées faibles. Par contre l'armée du roi Ragnar c'est une grosse armée, ça va être tendu. Et j'ai vu qu'ils ont énormément de prisonniers par contre, ça va être intéressant. Je sais pas ce qu'ils ont, ils ont beaucoup de... surtout des bandits. Donc en majorité qu'est-ce qu'ils ont alors? Ils ont 129 fantassins entraînés. D'accord. Ils ont après recrues Saranite 35. Ils ont beaucoup de recrues. Il y a combien de yards là-dedans? 3, 4, 5 yards. 5 yards plus le roi. Donc si j'arrive à assiéger cette ville et leur prendre, on va dire que toute l'armée des Nordiques va être détruite. Et j'espère que ça va me permettre de pouvoir assiéger ensuite ce château. Je vais voir l'état de mes armées après. Je vais dire autre chose. Donc oui, on va voir aussi les factions avec qui elles sont en guerre. Alors les Kyargis de Kanat. Ils sont en guerre avec Swadia, le roi de Swadia. C'est pour ça qu'ils ont fait une paix avec moi. Ils sont en guerre contre les Rodok encore. Donc les Swadia, ils sont en guerre avec les Kyargis de Kanat. Et ils ont... c'est tout. Royaume du Nord, ils sont en guerre que avec moi, normalement. Voilà. Les Rodok, ils sont en guerre avec... c'est tout. Bon, Vaegir normal, hein. Et le Soutenance Aride, c'est... eux, pour l'instant, ils sont en paix avec tout le monde. C'est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont. Je regarde... Ils ont pas de problème. Royaume du Nord, non plus. Voilà, instabilité. 91% des seigneurs sont mécontents et 5% montrent des signes de nervosité. Et nous, c'est 87%. C'est fou. Alors ça, je sais pas comment gérer ce genre de truc. Ça veut dire qu'ils sont mécontents. C'est-à-dire qu'on pourrait remplacer le roi.
Donc on va voir dans mon groupe ce que j'ai. Ouais. Bon, on va tester, hein. Et mince. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui, j'ai un Jarl en plus que j'ai fait prisonnier. Bon, tant pis. On va aller là. Bonjour. HG le bourg. Préparer les échelles. Oh putain, Artemir estime que ça prendra 2 heures pour construire cela. Les échelles. Oui, on va le vendre, allez. Ah, il y a de l'aide de renfort qui vient. J'ai calculé tout, et on est beaucoup plus qu'eux. Mais c'est bien qu'il y ait de l'aide qui vient. Je vais essayer de bien gérer cette attaque, parce que si je me fais laminer, j'ai plus d'armée. Alors, mener... On va essayer de faire ça très très bien. Jamais attaqué avec ça en fait. Il y a pas de tour en fait. Jamais attaqué avec. Allez, tout le monde charge. J'ai jamais attaqué avec son tour. C'est marrant ça. C'est une échelle, enfin c'est une passerelle quoi. Allez, allez, passez, passez, passez. C'est vrai que pour passer c'est un peu la misère. Hein. Bon, allez, faut que je les suive là parce que. Allez messieurs. Non, vous allez me faire tomber, vous allez me faire tomber. Ah oui, il y a le feu et tout quoi. Allez, on va buter ce mec. Ah ah. Chien. Ah, il y a un peu quoi. Faut taper comme ça. Hop, dos en haut. C'est fatal. Là pour l'instant on mène. Si j'arrive à tuer les troupes les plus fortes complètement, c'est cool. Par contre, je vais voir avec le son parce que j'ai l'impression que le son de la musique est très forte, c'est pas le son du jeu. C'est très dur à régler cette. Je peux faire un truc genre non, pas ça, c'est ça. F4, défendez la position. Parce que là c'est un entonnoir. Hein. C'est plus facile à défendre. C'est une balle dessus. C'est le mec là-bas là. En fait il m'écoute pas, il charge. Chargé. Ouais, je vais, ouais, c'est là, ça va être vraiment très marrant. C'est difficile à défendre. Je sais pas, je tape dans rien, là, par exemple. Parce que je suis trop gagné. Ce son m'énerve. Ouais, je sais bien régler ça. Montez. Bon, je peux monter moi aussi, non? Je peux monter là. Je peux monter par terre. Allez messieurs,
passer, bordel. Bon, je vois plus de morts de leur côté que tu veux. Allez, chargez là. Montez. Ouais, c'est bon, on a réussi à faire une percée. Ah, maintenant il y a que les archers là. À l'attaque, massacrez-moi ça. Tu es ce que tu veux, gars. Je trouve qu'on a fait beaucoup. Attends, je trouve qu'il y a beaucoup de morts pour. Ah ouais? Déjà? J'ai l'impression qu'il y avait plus de trucs que ça. Alors, j'ai eu 3 morts. Qu'est-ce qui est mort? 2 chevaliers chouadiens. Ah, merde. Et un tir des Dwaegir. Mes alliés ont perdu 9 morts, 25 blessés. Et dans le camp adverse, 144 tués, 21 blessés. Ah ouh, ça fait mal ça. Vous avez percé les remparts du bout. Tatati, tatata. Ouais, allons-y. Ils vont tuer ces mecs frérots. Il y a plus de masse. Tiens, coup de main dans la gueule. Je trouve ça ridicule qu'on attaque la ville à deux quand même. C'est qui ces Borgia ça? Tuer. Ok. Prendre ça, parce que j'arrive mieux à me défendre avec ça. Ta gueule, bon. Ouh là là. Allez, laisse mon âme tranquille, toi. Ouf, je pensais que j'allais me retrouver tout seul contre tous. Youpi. Ah, lui s'est évadé. Alors, tuer mon prisonnier. Tuer mon prisonnier. 2 prisonniers. Ah ouais, j'ai oublié de dire que dans les. Avec les Kergi Kanat et Rodok, j'avais 11 seigneurs dans mes geôles. C'est un truc de fou, j'en ai jamais eu autant. Mais ils étaient un peu parpillés dans les villes et les châteaux, mais j'en avais 11. Alors forcément, quand on fait on signe un traité de paix, ils sont libérés automatiquement, ce qui est dommage. Ah mince, le roi s'est enfui. Lui aussi s'enfuit. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont enfuis là. Ah, j'ai libéré un de mes boyards. Oh là 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 là, il y a du monde. On va déjà capturer tout ça. Je vais prendre ceux qui valent le plus cher déjà. De toute façon, je peux tous les prendre. Alors, ouf, ouf, ouais, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Oh, il y a du monde. Non. Ah, j'avais perdu un chevalier chouadien. Je vais le remplacer. Oh, j'ai passé à 170 hommes. Cool. Très cool. Et j'ai vu Mamelouk, il est là. Je prends les chevaliers en priorité. Là là, c'est dur à chercher. Ah, il y a des... Ouais, mais non, ils sont pas... Ah oui, ceux-là, plutôt, ils sont plus vétérans.
J'en avais encore moi des archers montés. Ah bah d'accord, il me reste plus que 4. Je vais prendre eux alors. Archer monté vétéran. Et toi aussi je vais te prendre, comme ça je vais te recruter. Par contre les autres je vais laisser aux autres armées. Qu'est-ce que je gagne? Chemise de maille, 37-12. Ouais bon. On va pour ça on s'en fout. Hop. Non, je vais pas demander ça en récompense. Par contre, il faut que je pose une garnison ici. Donc, je vais mettre les épées sous contrat. J'en ai rien à foutre. C'est des mercenaires. Sort d'épée aussi, c'est une mercenaire. Épice mercenaire. Les gardes Veigir. Normalement, alors ça je dois en avoir 40. Ça j'avais dit que je devais en avoir que 20 dans ma troupe. Donc je vais les donner. Oh, putain, ça en fait pas beaucoup quand même. Maître H et Sarani, donc je m'en fous. Arbitre et mercenaire. Hop. Archer Veigir. Tireur d'élite Veigir, j'en ai 33. Je sais plus. Je m'étais fait une liste avec le nombre exact de soldats que je mettais dans mes troupes. Et bon, faudra que je la retrouve, mais je m'étais fait une liste comme ça aussi dans mes forts, combien j'en mettais, voilà, j'ai qu'un Jarl dans. Ah non, j'en ai deux. Putain, faudra que je les mette dans dans un de mes châteaux. Je vais laisser ça comme ça fait pas beaucoup, mais en fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, ça fait 15, mais en fait je vais laisser ça à l'autre compte, celui qui va venir après moi, se charger de mettre des hommes parce que moi j'ai pas envie de me séparer de mes hommes, et je vais essayer d'attaquer les autres châteaux après. Et je vais aller voir s'il n'y a pas le rançonneur par hasard. Ah bah attends. Oui, potion 1593, 16. non. Mince. Ah mince. Voilà. Ah mais je suis con, bah oui. Je me suis parti, je peux plus mettre de personne dedans. Bon bah tant pis, hein. Ils me serviront pour autre chose. Pour le prochain château. Ouais, j'aimerais bien vendre ça par contre. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Javelot réformé. Ouais, on s'en fout. Est-ce que j'en ai des trucs intéressants ici? Masse de fer en lourde. C'est celle que j'ai. Ça, c'est une hache à deux mains, mais elle fait aussi âme d'arst. Et j'aime pas trop. Ouais, y a rien d'intéressant. Niveau armure. Ouais, en fait, pour trouver mieux que moi, mieux ce que j'ai pour l'instant, c'est un peu dur. On va vendre tout ça. Voilà, ça me rembourse mercenaire. Je vais acheter de la bouffe pour mes hommes. Hop. On va prendre du poisson. Du raisin. Et des pommes. Enfin des fruits. Ah ouais mince. Rendez cet article, ne vendez pas. Quoi? Rendez les articles que vous avez vendus avant de revendre celui-ci. Mais je vais juste le déplacer. Je vais acheter du pain. Voilà. Alors, on va visiter le château, tiens. Je suis pour par curiosité. Ah oui, tout le monde est là. Bonjour. Il y a beaucoup de dames ici. Il n'y a pas ma femme, non? Waouh.
On se barre. Ouais, il n'y a que 15 mecs. Mais bon, pour l'instant... Bon, je me demande par qui il va se faire assiéger, quoi. Ah, qui c'est qui a regroupé... qui a refait ses troupes? Je n'avais même pas vu qui c'est ce qu'ils avaient comme troupes, les autres. Je sais pas s'ils sont un maximum et ils ont libéré leur... Par contre, il y a des mercenaires, là. Enfin, des... Ils ont plus d'armée. Bon, allez, on va les assiéger, hein, pour le fun. Bonjour. Heures, commencez à construire. Lui, il se tient à distance. Le roi, maman, ils sont là-haut, là. Ils sont tous là-haut. Et j'espère qu'il y a personne qui va en profiter pour assiéger la ville. A été fait un, il s'est joigné au roi de Mordoc. Oh, il perd des hommes. Voilà. Donc, retire-moi ça. Menez vos hommes à l'attaque. Donc là, ouais, j'enchaîne le château parce que les Nordiques, ils ont plus rien. Ils ont plus rien. Donc autant en profiter. J'aimerais bien m'en débarrasser. Voilà, mettez-vous derrière le machin. Et en fait, finalement, une attaque avec une échelle, c'est carrément beaucoup plus facile qu'avec une tour. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je trouve. C'est comme on a rushé la ville, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait le temps que ce connerie de arrive là-bas là, j'ai la moitié des hommes qui crèvent. Mais c'est vrai qu'on l'a rushé. Moi je pensais que ça allait être très dur parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Dans la tête. Mais suivez-moi là. Un mort. Allez, tous derrière. Plus on est nombreux et plus ça avance vite. Il est beau ce château. J'aime bien les vieux châteaux comme ça en pierre. Attention, il y a plein de prisonniers dans le château. On va refaire nos troupes. Et après, je vais essayer de... Bah après, j'irai assiéger le château. Hein, tant qu'on est sur la lancée. De toute façon, le roi Ragnar, son armée est annihilée. Et les autres comptent aussi, donc il n'y a plus aucune menace. Ils sont obligés d'aller récupérer des troupes dans leur propre château. C'est pour ça que là on a vu un comte s'éloigner du château, ils étaient 15. Parce que normalement ils étaient une centaine ici dans le château, et là ils sont 80. Oh là là, ils sont tous assommés. Oh, ils m'énervent. Putain, vous pouvez pas vous mettre à l'abri. Elle est belle son épée. Allez, des renforts sont arrivés. Allez, avance. Ah, c'est bien, ils ont tué quand même les miens. Oui, bah, allez. Oh là là. Bah c'est bon. Ça va le faire. Chargé. Allez, chargez. Là, on peut pas courir sur ce truc. Allez, cours. Mine-toi les fesses. Ah, c'est des... C'est des soignants qui font des...
personne. Pas du côté des méchants par contre. Oh bien. Bah, il est mort. Allez, y'a personne ici. Ah si, bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu me veux toi? Je vais me demander quand même un nouveau château quand même. Le dernier, je pense que le dernier que je vais assiéger, je vais me rendre. Pour le plaisir. Allez, chargez là, descendez, il y a des mecs là-haut qui me carnent. Ah ouais, attends, il y a une percée de méchants. Je sais pas si je peux y avoir d'ici, j'en doute. Ah, si j'ai touché un bouclier. Ah, bien courageux là-haut. Allez, charge! N'ayez pas peur, soldat! La victoire nous appartient! Attendez, je saute sur le côté. Aïe! Je nettoie les arrières. Ah bah, je nettoie rien. Allez, chargé là! Qui s'y fout? Oh oh! Oh oh, je me sens seul là! Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Oh, tu fais chier! Oh, t'as esquivé! Ah, laissez-le tranquille! Allez, on les massacre. Pas de quartier. Oula, il est mort. Ya! Tiens! 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 Ah putain, là je déteste ça quand il me bloque comme ça. Putain, il me bloque comme ça. Ouh, j'ai été sauvé. Oh punaise. Oh, ça va être dur de prendre le moron. Ouais, se battre quand on est des mecs qui sont trois contre nous, on peut rien faire. Alors j'ai eu 7... Ah putain, j'ai quand même eu 7 tués hein. Ouf. Ils sont où mes morts? Oh putain, des gardes Vaigir. Ah, 18 tués ils ont eu eux. Et les autres sont 11, 21 tués. Vous êtes mon prisonnier. Ah putain déjà. Oui. J'adore. Ouh, ça vaut cher. Hop, ça vaut cher. Ça vaut cher. Ça vaut cher. Ça aussi. Voilà. Donc je vais pouvoir faire mes troupes. Alors, les chargeants Rodoc, oui. Ah, archer monté vétéran, oui. Alors. Les lanciers entraînés Rodoc. Oui. Arbalétrier entraîné, oui.
Oui. Lance arbitre et vétéran, oui. Après. J'en ai combien de ceux-là? J'en ai un là. Ça me fait 5. Faut que je reprenne encore. Je crois que j'en avais 10 à la base. 10 à la base. À la base. On va prendre ça. On va prendre ces deux-là. Et voilà. Les autres, ils iront dans les autres armées. Ah oui, d'accord, j'ai déjà plus de bouffe. Enfin. Ouais, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Bon, on prend aussi, allez hop. Non. Merci. Poster une garnison ici, oui, bah. Pff. Ah bah, cavalier mercenaire, tiens. Ce que j'ai pris tout à l'heure. Hop, ils vont servir à ces choses. Toi aussi, tu vas aller là. Archevêguir, ouais. Ouais, toi, tu me sers à rien. Alors, tu as des électrodocs. J'en ai combien là? 6. Ok. Et Saranide, j'ai des gardes. Est-ce que les troupiers se transforment en quoi? En soldats d'infanterie. J'ai rien d'autre. En Saranide. Non, bon, j'en donne deux alors. Hop, hop. Les Rodocs. Qu'est-ce que j'ai en arrivée trier? Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas d'ennemis là pour l'instant. Je suis pas en guerre avec personne. Enfin si, à part les Nordiens, mais si je les extermine, après je serai en paix. Donc c'est peinard. Comment ça se fait que j'en ai 21? Ah oui, non, oui. Ouais, toi tu me sers à rien. Oui bon, allez, pour l'instant je mets ça, je m'en fous. Il ressemble à quoi ce château? Enfin on l'a déjà vu, mais... Ouais, c'est pas mal. Ah putain, mais en plus l'armée du roi est encore là, quoi. Ah bah d'accord. Ils en ont des prisonniers eux, maintenant. Est-ce que... Non. Et on a quand même bien avancé. Ah, j'aimerais bien reprendre tout ça. Ça fait 100 fois que je le dis, mais alors là, comment qu'on fasse une limite comme ça? Hop, du territoire. Frontière naturelle. Ah ouais, on a pris énormément quand même. J'avais pas vu que les Rodocs ils ont pris ça. Ils ont su nous. Ah, ils se bouffent, ils se bouffent. Donc, bon, on va l'attaquer. C'est quoi ce château? Château de Schalbeck. Faut que je fasse gaffe qu'il n'y a personne qui arrive derrière. Bon, il n'y a personne. Ils vont où là? Oh! Partez où là? Je vous ai dit de me suivre et vous barrer. Oh, le boyard Ralcha est revenu. Pourquoi ils se barrent tous là? Et mon roi, venez.
Je pense que rien qu'avec vos hommes, ça suffira à assiéger le château là-haut. J'ai une tâche à vous confier, suivez-moi. Voilà. Viens, on va assiéger à nous deux le château. Viens. Ah, il y a eux là. Faut que je surveille, je sais pas où sont les armées du nord. Oui, je l'échappe, je l'échappe, je l'échappe. Hop. Voilà. Ah, des petits déserteurs, des guerriers nordiques. Et messieurs, vous me suivez tous? Ils sont tous à pied en plus. C'est magnifique. Allez. Pas de quartier. Marge! Yaha! Comment se faire massacrer? Ça, ça peut être une menace pour mes villages aux alentours. C'est pas possible ces bonhommes là. Et toi, laisse-la tranquille. Oh là là, ils se font massacrer. Non, pitié, non. Ouais. Et on a libéré 3 chercheurs de primes. Bon messieurs, vous allez venir avec moi. Et... Ah, ils avaient pas de la cablotte quand même. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Toute l'armée de Nord et... Alors, qu'est-ce que je disais? Par contre, ils ont plus rien. Armée du Yard, armée du Yard, 0, 0, 0, 0, le roi 0. Oh, il n'y a que la garnison du château. Et la garnison du château, ça fait Huskarl. Oh putain, il y a quand même 120 Huskarl. Mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 Yarl et le roi. Ils sont tous blessés. Ah la vache. Oh, on va les exterminer. C'est quoi cette armée là? Ah, c'est une armée qui patrouille. Et si on allait les choper pour le fun? De toute façon, je suis plus rapide qu'eux. Viens là, viens là. Et voilà, il fallait pas faire demi-tour. Donc je pensais... ouais, je sais pas si je vais rater l'épisode là. En fait, je voulais faire l'épisode anéantir les nordiques. Mais ça prend un peu plus de temps que je pensais. Bon, je vais encore gratter un peu de temps sur la vidéo. Histoire de finir avec les en beauté. Et après, je sais pas si je ferai une suite directe. Je pense que je vais renforcer mes châteaux. Parce que ça va être long, en fait. Je vais faire des allers-retours pour... remettre des garnisons dans mes châteaux et autres. Et c'est très long parce que j'entraîne mes hommes, donc je gérerai la chasse aux bandits et autres. Alors, peut-être que je ferai des vidéos vite fait comme ça. Mais
très chiant en fait. C'est très long à faire. Donc, moi je suis assez maniaque de ce côté, j'aime bien avoir des chiffres ronds, tel tant d'hommes et tant d'hommes. Il n'y a que des recrues. Oh les pauvres, ils se font laminer les Norniens. Ils n'ont plus rien. Vivant hein. Ah ouais d'accord, un paysan. Ouch, c'est plus 4 chevaux dans la gueule. Et il y a des prisonniers hein, mais je peux pas les prendre les prisonniers moi. Ouais c'est des paysans, allez rentrez chez vous. Et ça ouais je m'en fous. Oh les déserteurs. Ouais c'est ça, rentre chez toi. Et là-haut c'est quoi? Ah j'aime pas trop ça, il y a une armée qui se balade. Et je sais pas où elle va. Ah, ils ont retiré encore des troupes de leur... Ils ont encore retiré des troupes de leur garnison. Oh là là là, ça va être chaud pour eux. Hein. On va faire ça, chasseurs de primes et meneurs d'esclaves. Ils étaient pas dans le coin là? Je regarde aussi si c'est la personne qui achète le château, si en attendant. Non, j'ai perdu leur trace. Bon allez, on va assiéger ça. Toi, je te... Fais gaffe, toi. Ah, ils essaient de refaire leur troupe petit à petit. Bon, allez. Ce château-là, par contre, je vais le demander. À l'extrême... Ouais, comme ça, c'est à l'extrême... Je vais le revendiquer, ce château. Ah, ça, là, c'est des échelles. Voilà. Et je vais mener mes soldats à l'attaque. Donc voilà, on va faire sa dernière bataille. Et je finirai la chute là. Par contre là, avec les armées du roi et moi, en face c'est que du pays. Enfin, en face il y a une grosse quand même. Il y a quand même du lourd, il y a beaucoup de chevaliers. Mais bon. Oh le trébuchet, il est mignon. Ah, il y a des bateaux là-haut aussi. Allez go. Je les prépare à leur dire de recharger. Ah, là il y a le roi là. Il y a un mec avec le casque à ailette. Charger. C'est quoi ça, c'est le roi? Putain, le roi va pas durer longtemps, je le sens. Allez, je vais essayer d'essayer d'aller dans le tas. Mais non, mais arrête de tirer. Tu tires à bout portant, ça sert à rien. Allez, avance. Voilà, tout fait de se tuer. Je crois que j'ai tué un. J'ai assez bien. C'était un contre. On va nettoyer les murs. Il n'y a personne ici. Allez messieurs, chargez. Ok, chacun passe de son côté, c'est ça? Ah le roi Ragnar a été assommé. Je sens que c'est une mauvaise idée de passer par là. Je sens que c'est une mauvaise idée. Oh. Il y a que des paysans. Chargé. Yaha.
Viens là. Tiens. Regardez, ça me fait rien leur flèche. Oula. Tu m'énerves toi. Allez, chargez, venez m'aider. Coucou. En fait, il me surveille. Voilà. Oh, maman. Oh là, voilà. Ah non, je t'ai pas vu toi. Excuse-moi. Dégage. Yaha. Ah, mes soldats arrivent. Toi, tu m'énerves. Je tire pas sur mes soldats. Je vais mourir bêtement. Bien. Ouf. J'ai été trop téméraire. Eh, viens. Hop, tu sais pas viser. Ça sert à rien, tu sais pas viser. Tiens. Aussi, là, viens là. Bonjour, messieurs. Oh là là. C'est ça, allez là-bas. Moi, j'aurais tué juste des menus frottins. Putain, ils ont énormément d'archers. Coucou. Allez, venez là. Ouf, oula. Ouf, je passe gaffe, faut que je passe gaffe. Mais qu'est-ce qu'ils foutent mes hommes? Allez là, putain, chargé dans le tas. Oula. S'il vous plaît, venez à mon aide. Je suis un peu dans la mouise. Je me prends une flèche et je peux tomber dans les pommes. Allez, on les termine. C'est quoi le mec qui tire là-haut là? Ah, y'a un gars tout là-haut. Je vais même prendre. Non, je vais même prendre mon arme là. Voilà. Ouais. On a gagné. Oh, j'ai eu qu'un tué, 13 blessés. Les alliés ont eu 12 tués, eux ils ont eu 133 tués et 9 blessés. Ah, ça va. En plus, là, c'est genre symbolique, c'est des gardes. Ah, fendu le crâne en deux. Oula. Ouais, j'ai gagné tout seul. Wouhou, je suis le seul survivant. Qui est tombé dans les vapes? Ah merde, il est mort. Ah, moi, la place porte. Prisonnier. Bonjour. Il s'est échappé. Vous êtes mon prisonnier. Oh bah, ils sont tous échappés, le roi Ragnar. Ouf. Comment ça... Ah oui, je veux dire, comment ça se fait que j'ai 27 prisonniers? Qui c'est que qu'est-ce que je vais pouvoir? Archer monté, ça c'est très bien. Pff.
Oui. Oui. Façon, ça va aller dans la forteresse. Oui. Infanterie soidienne, yes. Et oui. Château de Schalbach est tombé. Je demande comme récompense. Ok. Mince. Non, je voulais pas faire ça. Oh, fais chier. On va mettre ça. On va mettre ça. Ça. Voilà, pour l'instant, je vais mettre tous ces trucs là. Vu que c'est mes hommes. Et je vais quand même mettre de l'élite. Je vais mettre un chevalier. Les gardes. Je vais en mettre 4. Ça, je vais en mettre 5 pour l'instant. 37, ok. Hop, je vais en mettre 7. Archer vétéran, oui. Arbalétrier. Ouais, allez, on va mettre ça. Je vide un peu mes troupes. Faut que je leur fasse de toute façon. Voilà. Ah, il est... Ah, il m'a été automatiquement donné ce château. Ah, bah, j'ai l'habitude quand je le revendique, il est pas pour ma gueule. Bon, bah... Les Nordiques ont été exterminés. Il n'y a pas de petit message. Vous avez exterminé les Nordiques. Je crois qu'il faut aller détruire les dernières factions. Il occupe nulle part, ses vassaux. Ouais, je crois qu'il faut aller détruire ses dernières armées. D'après ce que je pense. Là, il a combien là? Ouais, 31. Il va falloir vraiment que je vais lui dire c'est bon, t'as plus besoin de me suivre. Non. Ok, voilà. Merci le roi. Ah, c'est marrant en fait que quand je mène une com... Ah ouais quand je... Ah bah non, bah non, le château il est pas à moi. En fait c'est mon drapeau que j'ai vu dedans. Ah si, je peux quand même poser une garnison. C'est marrant ça. Bizarre. C'est bizarre. Ouais, alors au cas où... Parce que si... Bon, non, c'est pas grave, je me referai des troupes. Je vais quand même retourner près de mes autres. Par contre, là, les autres, maintenant, ils sont tout seuls en solo, et donc je sais pas où sont partis les armées. Donc, moi, je vais vous laisser là. Voilà, les royaumes du Nord a été exterminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Après, bah là, pour l'instant, Tifstein au royaume, bah, Tifstein. Bah, c'est un village.
Il n'y a personne ici. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Maintenant, je vais essayer de poster une vidéo toutes les semaines. Et donc, voilà. Comme je vous redis à la prochaine et salut tout le monde.